Une nouvelle fois, la culture s'infiltre dans la citadelle, le temps d'un nouveau spectacle de théâtre. En collaboration avec la citadelle de Namur, Charlemont accueillera pour la première fois la compagnie du théâtre Jardin Passion. Après le succès des Misérables joué la saison dernière à proximité de l'hôpital de siège, la communauté de communes Ardennes Rive de Meuse multiplie les projets culturels au sein du site. C'est un partenariat en plus transfrontalier pour développer la culture sur nos sites privilégiés en termes de développement touristique. Et ici, faire entrer la culture sur Charlemont, c'est important pour nous. C'est aussi une porte d'entrée de la culture sur la communauté de communes. Je crois que c'est la volonté de l'ensemble du conseil communautaire de faire en sorte que sur Charlemont, il y ait beaucoup d'atouts. Il y a des atouts historiques, mais des atouts culturels très forts à développer. Donc c'est une grande satisfaction. Créé à Namur par Marc Wess et mise en scène pour la première fois en 2011, cette pièce de théâtre vous transportera dans l'univers de cette première reine d'Angleterre. L'expérience de cette compagnie sera vous tenir en haleine durant toute la représentation. Le théâtre Jardin Passion, c'est une aventure humaine depuis maintenant près de 20 ans. Et c'est vrai que quand on s'est lancé dans cette formidable aventure, tout de suite, après avoir créé le spectacle, on s'est dit « il faut qu'on tourne avec ce spectacle ». Et pourquoi pas aller à la rencontre des citadelles Vauban, d'un circuit Vauban ou d'un circuit Victor Hugo. Et c'est vrai que pour nous, c'est formidable de venir jouer ici en France parce qu'on espère que ce soit le début d'une grande aventure. C'est excitant de voir les pentes, les fortifications, les murailles, de découvrir ce siège, cette histoire qui est autour. On dirait que les pierres transpirent un tout petit peu, toutes ces choses. La pièce de théâtre Marie Tudor sera jouée du 6 au 8 septembre en plein cœur de Charlemont. Un nouveau lieu pour un nouveau spectacle, l'ancienne église du site pourrait accueillir près de 300 personnes.